à tous et bienvenue sur la chaîne Écosystème. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment je fais mes compléments naturels et gratuits pour l'aquaponie. Donc, j'ai été me balader et cette semaine, j'ai pris de l'ortie et des feuilles de plantain. Donc, pour ça, j'ai besoin d'une pierre que je mets dans le filet pour donner du poids, vous comprendrez plus tard. Et après, je prends et je hache. Vous le faites grossièrement, ça sert à rien non plus de réduire et de faire des confettis. Et après, je le mets dans le sac de lavage. Voilà. Et cette semaine, donc je vais rajouter en plus tous les pieds de tomates qui va nous rester en fin de compte. Vu que là maintenant on a tout planté. Les gelées, on est à l'abri, il n'y aura plus de gelée maintenant. Et les pieds sont bien partis, donc on n'aura plus de décès, donc on n'aura pas à les remplacer. Donc en fin de compte, je vais m'amuser et rebelote, pareil. Donc je récupère tous les gourmands. Et de toute façon, on vous fera une vidéo, parce que ça va ramener énormément de minéraux. Et c'est un très bon engrais, notamment pour les tomates. Rebelote, on hache grossièrement. Je le ferme et il n'y a plus qu'à aller le déposer, le tour est joué. On se rejoint dans la serre. A tout de suite. Donc me revoilà dans la serre. Donc maintenant je prends mon filet et j'ai juste à le déposer. Alors là vous voyez, il y a le bassin. Donc du coup, il y a le cycleur et j'ai mis un bulleur. Donc on voit bien à la surface que c'est bien actif en oxygène. Ma pierre va faire couler le sac au fond, petit à petit. Et je vais y ajouter du purin de pissenlit. C'est un bidon de 10 litres, je vais mettre 5 litres. Et voilà, 5 litres de purin de pissenlit.
Bon, ma pierre n'est pas assez grosse. Il faut que j'aille rechercher une pierre parce que le sac ne veut pas couler. Bon, me revoilà, j'ai repris une pierre un peu plus grosse parce que là, les gourmandes tomates, apparemment, ça flotte plus que les autres purins que je fais d'habitude. Alors, je remets une plus grosse pierre. Je referme bien le sachet. Et cette fois-ci, ça coule. Merveilleux. Donc voilà, donc là maintenant, le travail est fait. J'ai plus qu'à laisser faire toute la semaine. Ça va infuser et donc du coup libérer des minéraux, notamment du potassium, du calcium, du fer, du phosphore et d'autres petites choses qui sont tout aussi importantes mais en moins grande quantité. Voilà, ben, pour l'instant c'est à l'étude, à l'élaboration, à l'expérimentation. Donc affaire à suivre pour savoir si ça fonctionne. Mais bon, l'année dernière j'étais déjà parti sur des bases comme ça, un peu moins complètes et ça avait quand même bien fonctionné. Donc je vous dis à bientôt pour la suite et une bonne soirée. Au revoir.